Bonjour à tous, hein, ceux qui regardent cette vidéo. Et ben c'est ça parle sur les hérissons. Désolé, ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. Et c'est un animal très chou. Les bases de l'hérisson, sa fiche d'identité et en savoir un peu plus sur lui. Commençons tout de suite pour cette vidéo. C'est un animal nocturne, l'hérisson, et en plus ça s'affiche sur votre écran. Ça veut dire qu'il vit principalement que la nuit. Tout y passe, hein, insectes, crapauds et même la gamelle du chat. C'est vraiment impressionnant. Il grogne, on dirait un sanglier miniature. Je peux vous dire que c'est très mignon. Sa fiche d'identité. On l'entend assez souvent le soir. Hein. Famille mammifère. Sa taille 20 à 30 cm. Poids 450 à 700 grammes. Son lieu de vie, jardin, pré, parc et bois d'Europe. Nourriture, insectes, vers, limaces et champignons. Et sa longévité, 7 à 10 ans. Il est... C'est la partie la plus intéressante de cette vidéo, car on va parler principalement que de lui. Ça veut dire en savoir un peu plus sur lui. Alors les hérissons sont utiles aux jardiniers, parce que bien sûr ils nourrissent les limaces, et bien sûr les limaces ça détruit vos salades. Alors dès qu'ils se sent menacés, il se met en boule en fait. Ça vous l'avez certainement vu. D'ailleurs, petite anecdote, hier... On a vu un hérisson mourant. On n'a pas pu le sauver. Un hérisson, c'est myope. Il peut compter sur son odorat pour décliner les limaces et les champignons. Comme je l'avais dit, ça se nourrit beaucoup de champignons. Les hérissons mangent les crapauds et enduisent ces piquants de leur venin. Ça veut dire qu'ils sont presque jamais piqués. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que nous, avec les guêpes en ce moment, je peux vous dire que ça pique, hein. Les petits hérissons naissent sans piquant. Est-ce que c'est plus mal? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur peau, je ne peux pas savoir. Mais c'est quand même pratique, hein, comme je viens de vous le dire, pour le venin. Voilà. C'est vrai que les hérissons, c'est tout chou, parce que tous les soirs, j'en ai un qui vient chez nous, qui vient manger les croquettes de notre chat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires. Merci, bonne soirée.